Autre actualité de cette journée, le retour dans la rue des retraités. Ils étaient une centaine à se rassembler à Blois devant la préfecture. Image ici de nos confrères de la Nouvelle République du 41, le Loir-et-Cher, où l'on a recensé également 100 manifestants à Vendôme et 70 à Romorantin. À Tours, environ 200 retraités ont défilé du boulevard Béranger à la préfecture d'Indre-et-Loire. Des retraités qui voulaient exprimer leur mécontentement à la suite du report de la réforme de la dépendance, réforme annoncée puis reportée par Nicolas Sarkozy en raison du contexte budgétaire. Mais le principal mot d'ordre de cette manifestation restait bien sûr la défense du pouvoir d'achat. Je vous propose d'écouter Stéphane Desplobin, secrétaire général de la CGT d'Indre-et-Loire. Il est au micro de Sabrina Meloult. Il n'y a pas vraiment de dialogue entre les syndicats et le gouvernement sur tous les sujets que ce soit. Donc ça pose problème. Donc effectivement, nous ce qu'on réclame toujours, c'est des négociations. Il y a aussi des enjeux politiques qui vont arriver, donc des échéances. Et donc on compte bien peser aussi dans le débat politique pour qu'enfin on entende la voix des salariés et des retraités.